Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Oh là là, sacré neige! Elle a pas filmé le lundi! Premier qui râle, je le tue. Ouais, hier, j'ai pas filmé, mais je vais vous raconter ça en vous racontant mon petit week-end. Parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui. J'ai un chouette, mes châteaux, il faut. Donc, vendredi, quand je vous ai laissé, j'avais fait mon teint pour aller filmer ma vidéo au kaki. Enfin, le cas de l'Alphabet Challenge. Et finalement, j'ai pas su filmer. Donc, j'ai fait mon teint pour rien. Puisque, après, c'est les chiens qui voulaient pas rentrer. Et ensuite, il y a eu des travaux de chez le voisin. Très bruyant. Vous savez que j'entendais un bruit chelou là. Ben, c'était des travaux. Donc, j'ai pas suivi, mais c'était juste impossible. Du coup, j'ai terminé le dragon de l'eau. Ouais. Et j'ai commencé le dragon de feu, que j'ai terminé, bien évidemment, depuis. Hein, mais voilà. Et j'ai tenté de faire une licorne. Une bébé licorne. Ben, ça ressemblait à tout sauf à une licorne. Voilà, donc je retenterai un peu plus tard. Voilà. Le samedi, je me suis levée à 3h45. On est content. Il y avait le spectacle de mon neveu, du fiel de mon mari. Il y avait le spectacle de l'école plus le barbecue. Alors c'était mal organisé, mais alors un truc de fou. Le spectacle, c'était à 11h. Il devait commencer à 11h. Bon, ça a commencé à 11h15. Donc ils n'avaient pas tant de retard que ça. Mais il y avait 1h30, 2h de spectacle. Et seulement après, c'était le barbecue, mais c'était hyper mal organisé. Je crois qu'on a mangé, il était 2h, parce que le temps de se servir, enfin de passer au buffet des crudités, et puis aller chercher les viandes sur le barbecue et tout ça, c'était super mal organisé. J'avais mal la tête tellement j'avais faim. Mais voilà, on a passé quand même une super après-midi avec la belle famille. C'était bien, le petit a super bien dansé, il était trop choupinou. Voilà, voilà. Ensuite, je suis passée voir mon petit frère, donc le plus jeune des deux, que je vois moins régulièrement, qui habite tout près de chez mes beaux-parents. Hein. Mais je dis, là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, et que je n'avais pas vu mes neveux aussi. Et je dis, là, il faut que j'aille un peu les voir, ils me manquent. Donc, on a bu le café chez eux et tout. Donc, les petits étaient hyper contents de me voir, bien évidemment. Et un neveu m'a offert ça. La petite Hermione qui avait dans son Kinder Joy, parce qu'en Belgique, c'est les Kinder Joy... Harry Potter, donc vous avez plusieurs gugus comme ça. Et du coup, je me suis dit, ah, bah je vais faire Poudlard. Donc j'ai dit à chérie, il faut m'acheter plein de Kinder Joy pour avoir des figurines à mettre sur mes trucs. Mais finalement, ça fera pas beau si je mets les figurines. Donc je vais garder la petite Hermione pour moi. Et je mettrai pas les figurines sur Poudlard. Mais ça va être très long. Hein. Mais je vais vous faire ça le mois prochain, mais ça va être une vidéo par jour, quoi. Hein, parce que je pense que je devrais la faire en 4 vidéos, hein, assez longue d'ailleurs. Probablement, parce que ça va être beaucoup de détails. Mais ouais, je vais faire Poudlard. Et un peu plus tard, je ferai la maison d'Hagrid et la maison des Weasley. Aussi, tant qu'à faire. Voilà. Mais voilà. J'ai peint mon dragon quand on est rentré. On est rentré à quelle heure? 17h30, je crois. 17h30, 18h. Ouais, dans ces zones-là. Donc j'ai achevé de peindre mon dragon. J'ai mangé et j'ai été me coucher à 21h15. Tellement j'étais crevée, bah oui, j'avais pas fait de sieste, j'avais pas dormi beaucoup. Plus être à l'air et dans le monde toute la journée. C'était bruyant en plus, les trucs de l'école. Alors moi qui aime déjà pas le monde, qui aime pas le bruit, qui aime pas attendre, tout était cumulé. Mais voilà. Dimanche, j'ai rien fait de particulier, on s'est beaucoup reposé. J'ai fait une grosse sieste, je sais plus combien de temps, mais j'ai fait une très grosse sieste. Et j'ai oublié de noter hein, ce que j'avais fait, mais j'ai fait principalement des petits bricolages. Voilà. J'ai commencé une maison pour mettre dans mon fond, puisque je fais des DIY, mais je vous les offre, et du coup, je n'ai pas encore fait. Donc, je vous montre ce que ça donne pour l'instant. Alors, il n'y a pas le couvercle, mais je vais faire une grosse fleur par-dessus. Donc, voilà. J'ai fait ça. Ça, c'est un truc que je viens de recevoir de chez AliExpress. Du coup, on m'a demandé aussi de faire une maison sans argile, en fait, en full upcycling, si vous voulez. Donc ça, je vous le ferai, mais plus tard. Hein, mais j'ai tellement de DIY de prévu que je ne sais même plus comment les jongler pour les préparer.
J'ai dû coller un bout de carton en dessous parce que j'ai cassé ma plaque de plâtre. Parce qu'en appuyant, il y a plein de fils de colle encore. En appuyant pour coller le bocal dessus, et il s'est pété net. Logique, j'ai appuyé ça comme une bourrine. Donc, mais voilà, ça donne bien. Donc il me reste les petits détails à peindre et tout ça. Faire le couvercle fleur. Et voilà. Celui-là, je ne voulais pas filmer parce que vous le verrez de toute façon. Bah, je vous montrerai l'évolution en vlog. Je pense pas qu'il va être très long à faire. Et comme ça, de toute façon, vous le verrez dans le fond. Parce que sinon, je dois attendre que la vidéo sorte pour le mettre, pour pas trop vous spoiler, tout ça, tout ça. Donc voilà. Hier, j'ai refait mes ongles aussi, je les ai raccourcis, surtout. Parce qu'ils étaient un peu longs, là, surtout le pouce et l'index. J'avais pété presque tous les autres, donc les autres étaient courts sauf ceux-là. Donc là, je les ai tous raccourcis à la même longueur. Et j'ai mis le lime green de chez Ongle 24. Et par-dessus, j'ai juste mis les petites paillettes là de chez Madame Glam, qui sont les Let's Jazz. Voilà. Et là, j'attends encore un colis Madame Glam. Enfin, elle vient de me demander les couleurs. En fait, à chaque fois que je poste une vidéo Madame Glam, le lendemain, quand je lui envoie le lien de la vidéo, le lendemain, elle me propose tout de suite de choisir 4 teintes. Donc, c'est génial. Voilà, je suis bien contente. Ah oui, le lundi. Donc le lundi. J'ai pas filmé hier le vlog parce que mon chéri est en congé cette semaine. Oui, encore. On a été chez Action, mais côté français, parce que je cherche, il y a de la Fimo, vraiment pas chère. Je cherche cette foutue Fimo que je n'ai pas trouvée. Je me suis dit en France, j'aurais plus de chance. Je ne l'ai absolument pas trouvée, donc je suis dégoûtée parce que je me suis dit pour tester, c'est pas mal. Après, au final, je me dis c'est peut-être pas plus mal que je ne teste pas parce que si je préfère ça à l'argile, ça revient beaucoup trop cher après, c'est quand il n'y en aura plus chez Action, quoi. Vous voyez? Donc, enfin, je ne sais pas. Mais du coup, je vais vous montrer ce qu'on a acheté chez Action. Après, on a été aux courses, je suis rentrée, j'ai dormi et j'ai été chez le kiné à 17h. Oui, mon premier rendez-vous kiné. Je vais d'abord vous raconter ça avant de vous montrer ce que j'ai acheté chez Action. Donc, mon premier rendez-vous kiné, ça s'est plutôt bien passé. Elle m'a juste massé. Détendu un peu le haut du corps, parce que c'est vraiment là que les douleurs sont le plus concentrées. Donc maintenant, j'ai rendez-vous tous les lundis à 17h pour ma petite séance de kiné de mamie arthrosée et fibromyalgée. Ah oui, alors elle m'a dit pour l'arthrose, le mieux c'est la chaleur. Que demander de plus? Donc elle m'a dit de mettre des coussins, vous savez, chauffants, enfin des patchs chauffants là, enfin pas des patchs, vous savez, les trucs que vous pouvez soit mettre au congèle, les poches, voilà, plutôt poches, de faire ça comme si c'était un médicament 2 à 3 fois par jour. Elle m'a dit surtout centré sur la nuque parce que c'est là que c'est le pire. Et du coup j'en avais une, mais elle est comme ça, elle tient pas donc dans ma nuque. Et là j'en ai recommandé une sur Amazon, mais c'est un gros, vous savez, pas en noyau de cerise, je sais plus ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des germes de. Je vais vous dire ça tout de suite. Et c'est un gros qui fait un peu plus tout le tour de la nuque. J'en ai vu un autre qui fait massant, chauffant. Mais bon, 80 balles, c'est juste pas possible pour l'instant. Donc il arrive demain le coussin, donc on regardera ça ensemble. Et à l'intérieur, ce sont des graines de lin. Tour de cou micro-ondes, coussin chauffant, graines de lin, usage chaud ou froid pour cervicale, cou, nuque, épaule. 43 cm en rouge. Bon, la couleur, je m'en fous. Ça ressemble à ça. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, c'est juste un tour de cou comme ça que vous mettez au micro-ondes et que vous laissez poser. Donc, j'ai hâte de tester ça. Mais elle m'a dit voilà, c'est comme un médicament, la chaleur, 2 à 3 fois par jour parce que ça calme la douleur de l'arthrose et ça évite également qu'elle se propage trop vite. Donc, ça, je ne savais pas. Le rhumatologue aurait pu me le dire parce que j'aurais fait ça depuis plus d'1 mois déjà. Donc voilà, j'ai commandé ça. Là aujourd'hui, je reçois mes fils d'alu. J'ai recommandé des fils d'aluminium parce que je n'en avais plus. Et Sam a voulu commander un petit cadeau pour sa chérie. Donc je lui ai dit, bah, écoute, ça sera ton argent de poche de la semaine. Et il a commandé une rose éternelle. Enfin, je lui ai commandé, mais il m'a demandé de lui commander la rose éternelle pour offrir à sa chérie. C'est trop mignon. Alors, mon petit haul Action, qui est lourd. Il n'y a pas énormément, hein, mais bon, comme d'hab, je prends comme ça vient. J'ai le ticket pour vous donner les prix, mais il y a juste 2 trucs que j'ai trouvé chez La Foire Fille.
On est passé à la foire fouille, parce qu'il y avait juste à côté, qu'on y va que très rarement. Mais j'ai trouvé des peintures acryliques pailletées. Et celle-ci, elle est vraiment trop belle. Elles étaient à 2,49 € je crois, les 100 ml, donc ça va, c'était correct. Donc voilà, j'ai pris ça. Alors, chez Action, je me suis repris une fleur de douche pour mettre sous ma douche, bien évidemment. Donc un loofah, fleur de douche, je ne sais pas comment vous appelez ça. Elle était en bleu ou en rose, mais c'est parce que je me suis dit, comme là c'est l'été, pour bien regommer un peu quotidiennement mon corps. Donc j'ai dit, je vais prendre ça. Alors, attendez, hein, il faut que je trouve. Éponge de bain, 58 centimes. Je suis pas ruinée. J'ai repris deux bons de vernis gloss pour mes bricolages parce que j'adore ce truc. Mais alors vraiment j'adore. Je vais vous tourner une vidéo avec mes favoris pour les DIY. Comme ça je regroupe tout pour ceux qui me demandent à chaque fois ça vient d'où, ça vient d'où. Bah, comme ça tout sera regroupé dans une vidéo. Et ça c'était... Oui, on l'a fait comme ça. Hein. On est en vlog, on est entre nous, tranquille. Hein. 2,99 €. Voilà. Des tapettes à mouches. Un lot de 3. Alors, elles tiennent pas très bien. Hein. Souvent, il faut en acheter plusieurs lots sur l'été. Mais j'en peux plus des mouches, là. Je sais pas si vous aussi, c'est comme ça. Mais DG me disait que chez elle aussi, il y avait plein de mouches. D'ailleurs, là, celle qui m'emmerdait depuis ce matin, elle va le payer. Maintenant que j'ai filmé ça. 69 centimes les 3 tapettes. On a repris des ampoules pour le salon. Voilà, donc c'est un lot de 3 ampoules en LED. En LED. Ah oui, snack pour chien, un jambon, 1,99 €, mais il l'a déjà mangé. 2,99 € les ampoules. Alors, j'ai repris ça parce que, comme en ce moment, dans notre action à nous, j'ai 3 actions autour de chez moi, mais le plus on voit plus régulièrement, il n'y a plus les briquets électroniques, parce que moi, les roulettes, j'arrive pas à les faire aller, j'arrive plus. Donc, j'ai pris ça, mais j'ai retrouvé des briquets, vous allez voir après. Briquet 3 pièces, non, c'est pas ça. C'est toujours des briquets. Allume-gaz 2 pièces, 1,69 €. J'ai repris 2 trucs de fil d'aluminium, de papier aluminium, pour mes bricolages également. Et chez Action, il est vachement moins cher qu'ailleurs. Hein. Bon, après, c'est une petite quantité, hein, il y a 18 mètres. Mais chérie, on a acheté un gros rouleau de 5 mètres, là. Mais il était presque 6 €. Là, c'était vraiment pas bien cher, donc comme j'en consomme assez bien... Il m'a dit, ouais, bah, prends-toi en deux. 1,69 €. Alors, je vais aller briquer. Hop là. Donc, j'en ai pris 3, mais j'ai pris deux fois le même modèle. Donc, je vous montre qu'un de chaque. Voilà, j'ai pris ceux-là. C'est les seuls modèles qu'il y avait. Donc, j'ai pris deux fois ceux-ci. Voilà. Moi, j'adore ces briquets-là. Et je trouve qu'il y a assez de gaz dedans par rapport aux autres. Et les briquets étaient à... 85 centimes. Pour ça que je les achète toujours chez eux. Hein. Alors, ma chérie a repris deux déos Adidas. Voilà, c'est ceux qu'ils utilisent tous les hommes ici. Soit Axe, soit Adidas, ça dépend un peu ce qu'ils trouvent. Et les déos étaient à 1,69 €. Tout est à 1,69 € en ce moment. Pour le petit, j'ai vu ça, donc j'ai déjà géré. On lui prend des kits comme ça, pas de patrouille, pour faire en plâtre et les peindre. Je vais y arriver. Voilà, il adore bricoler, donc je me suis dit, bah écoute, comme ça, il a ce qu'il faut. Donc il y avait deux kits différents, on lui a pris les deux. Et c'était vraiment pas bien cher. Hein. Plâtre licence 1,99 €. Comment faire plaisir à un enfant pour pas grand chose. Alors, bah là c'est du bricolage, je crois.
On a d'abord repris un compas pour Georges pour son examen, parce que il était peut-être temps qu'il y pense, hein, les examens commencent la semaine prochaine. Dans une boîte, alors il y a un taille-crayon, une latte, une équerre, ouais, il y a 10 pièces dedans. Pour ça, chérie me disait, mais ça fait cher le compas, il était à 3 et des, je crois. Attendez. Ensemble géométrique 3,99. Il me dit, ça fait cher le compas. Et c'est après que j'ai dit, oui, mais apparemment, il y a plusieurs pièces dedans. Moi, je m'en suis trouvé, il m'en fallait un aussi pour faire les ronds, vous savez, de mes couvercles, de mes bases et tout ça. On a trouvé chez Leclerc à 2,99, non, 1,99, je crois. Mais voilà, bon, comme ça, il a son truc. C'est quoi ça? Ah bah, encore des ampoules. Je sais pas pourquoi il a pris deux lots d'ampoules. Je sais pas pourquoi. 6,95, Philips, ouais, c'est celle-ci. C'est des LED aussi. 6,95, celle-ci. Je sais pas pourquoi il a pris les deux. Alors, j'ai pris celle-ci d'argile pour tester. Donc, elle est un peu plus chère que l'autre. C'est de la blanche, c'est de la naturale. Elle est dans le rayon bricolage pour enfants. Elle n'est pas rangée avec l'autre argile, que l'autre est en pierre grise comme ça. J'aime beaucoup hein, l'autre. Je me suis dit comme ça, je vais tester celle-ci aussi. Normalement, elle est spéciale conçue pour enfants. Il y a 500 grammes et elle est à. À 1,57. Donc l'autre est à 1,49 dans mon Action belge. Par contre, elle est à 1,69 ou 67 en France. Elle est plus chère. Toujours pour mes bricolages, j'ai pris des craies. Combien il y a de pièces? 15 pièces. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est toutes les mêmes couleurs. Je crois qu'il n'y a que 5 couleurs. Hein. Écoute, on va ouvrir, on va voir. Ouais, c'est trois fois les mêmes couleurs, mais c'est juste pour tester. En fait, j'ai vu beaucoup dans beaucoup de DIY où ils utilisaient de la craie pour faire les dégradés plus facilement qu'avec de la peinture. Donc je me suis dit, on va tester. De toute façon, après, je peux toujours mélanger les couleurs et tout ça. Donc je testerai ça. Et pour terminer, je me suis pris deux nouveaux. Ah, je ne vous ai pas dit le prix des craies. Des craies. Craie de trottoir, 15 pièces, 99 centimes. Et je me suis pris deux nouveaux masques comme ça. Je les adore ces masques-là. J'ai plus de batterie. Donc vous avez Nice Cream et Smoothie Love. Strawberry. Et Watermelon. Et ceux-là étaient à 1. Ils sont vraiment pas bien chers et je les adore ces masques-là. Je prends à chaque fois qu'il y a des nouveaux. 0,79 centimes. Voilà. Écoutez. Et voilà pour mon haul Action. Et je vais vous laisser avant que ma batterie ne coupe toute seule. Donc demain, quand j'aurai reçu mon truc, on testera ensemble mon truc pour la nuque, là, voir si ça fonctionne bien. Voilà. Donc, ben, sur ce, on suit chez jour. Alors, il est 9h40. Alors, vous entendez le bruit de la scie. C'est Chérie qui est en train de préparer son enclos pour refaire son potager. Là, il a acheté en bois parce que le grillage, le chien l'a arraché. Et du coup, ils ont été creusés. Il n'y a plus de terre dans le potager. Ils ont enlevé toute la terre. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je filme pas, mais je reçois la palette Jolie Beauty. Donc, je filmerai les swatchs quand je l'aurai reçue. Donc, j'attends le facteur pour ça. Je reçois la palette Jolie Beauty et je tournerai le make-up demain que vous aurez... Enfin, je tournerai moi demain et vous l'aurez demain pour vous. C'est ça, hein? Attendez, je crois. Hein? Oui, c'est ça. J'attends aussi mon coussin pour ma nuque. J'ai trop hâte de tester et j'ai commandé finalement, donc vous avez vu dans le haul que j'ai acheté des craies de trottoir pour faire mes dégradés sur mes peintures. Et finalement j'en ai commandé sur Amazon où il y a 24 couleurs. C'est des mini mais c'est des carrés et c'est ce que celles que je regarde qui font des DIY avec la peinture utilisent. Donc du coup j'ai commandé ça parce que c'était moins de 10 euros. Voilà, pour 24 couleurs, là j'en ai que 5, donc bon, c'est sûr que c'est vachement moins cher. Mais comme ça, je les offrirai aux petits pour dessiner sur le trottoir. Bon, les gosses adoraient les craies de trottoir quand ils étaient petits. Ils pouvaient passer des heures avec les gosses du quartier à dessiner sur le trottoir. Alors, il y a des voisins qui râlaient alors qu'il suffit de jeter un seau d'eau dessus ou d'attendre qu'il pleuve et ça partait.
Par contre, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de voisins qui s'arrêtaient pour regarder les dessins ou les gosses dessinés d'ailleurs. Et puis qui demandaient des fois, ah bah tiens, dessine-moi ça, là il faudrait mettre un arbre. Et voilà, c'était trop chou. Mais il y en a qui râlaient, voilà. Alors que je les empêchais vraiment d'aller juste, ils faisaient juste sur notre trottoir. Et chez la mamie de Valentine qui habitait juste à côté de chez nous, parce qu'ils étaient souvent ensemble avec Samuel. Donc ils avaient une très longue portion de trottoir pour dessiner. Voilà. Donc, demain, chérie va chez ses parents pour aller sur la tombe, voir pour mesurer pour la tombe de sa grand-mère ou son grand-père, je ne sais plus, enfin, sur une des tombes de ses grands-parents pour mettre en forme, hein, enfin, faire le bricoler la tombe, quoi, voyez, faire une belle tombe. Donc, je pourrais vous montrer le coussin à ce moment-là. Moi, je vais le tester aujourd'hui, comme ça demain je pourrai vous montrer et, vous donner mon avis déjà sur une ou deux fois. Là, j'ai pas encore mis donc j'ai mal. Ça soulage vraiment. Hein, voilà, je le fais depuis lundi, on est mercredi et je le sens. Bon, là j'ai mal, mais aujourd'hui j'ai vraiment très mal partout. Vraiment, vraiment, vraiment. Je ne sais pas pourquoi. J'ai bien dormi pourtant, mais à mon avis, j'étais pas dans une très bonne position. Donc j'ai les craies qui arrivent dans l'après-midi, donc je vous montrerai ça demain aussi. Là il y a Avatar qui est sorti sur Disney, Avatar 2. Oh, encore merci ma bichette Manon de m'avoir sauvé la vie. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais lancer Avatar parce que je l'attends depuis que je suis sortie du cinéma pour le revoir. Et je vais en même temps peindre. Alors je vais fignoler mon petit dragon de l'air, comme ça je pourrais filmer le close-up tout à l'heure et le ranger en haut. Et je vais faire ma truc. Donc voilà, j'ai fait ma fleur. Au-dessus, donc là c'est potentiellement sec l'extérieur et sec peut-être pas totalement l'intérieur, mais voilà ce que ça donne pour l'instant. Je suis bien contente de la fleur. Donc ici vous voyez je collerai des feuilles, des fausses feuilles, hein. Pas en argile, mais je vais mettre des fausses feuilles en tissu et je suis bien contente du résultat. Là j'ai fait j'ai fait une boule de pistolet à colle et j'ai collé le bout de mes cotons-tiges que j'ai coupé pour faire ma petite barrière. Et voilà, donc j'ai plus qu'à peindre ça. Et les fleurs, je vais peindre en mauve et bleu, comme ici. Voilà, je vais faire un dégradé de mauve et bleu. C'est très joli d'ailleurs. Bah, les détails aussi. Et j'ai fait un champignon pour mettre sur le côté aussi. Donc après, je fignolerai en collant les trucs. Là, je vais d'abord le peindre. Attendre que ça sèche. Je vais juste vernir la fleur au-dessus, mais pas la maison, puisque c'est de la tapisserie. Donc j'ai pas envie que ça se décolle ou ça fera peut-être un peu bizarre. Donc voilà, là je vais fignoler d'abord mon dragon, comme ça je peux filmer le close-up. Après le film, j'aurais normalement reçu ma palette, donc j'irai filmer déjà les swatchs, comme ça j'ai pris de l'avance pour demain. Sam est parti chez sa copine aujourd'hui. Enzo est en formation pour son nouveau travail toute la semaine. Voilà, on croise les doigts pour que cette fois-ci il tienne son boulot, hein. Et alors, normalement, j'avais un week-end à ne rien faire. Et samedi, je me retrouve à passer la journée avec ma filleule parce que sinon, elle est toute seule chez elle. Donc, elle vient passer la journée avec nous. Du coup, chérie a dit, bah, samedi midi, on ira avec Jade et Sam manger un chinois. Et dimanche soir, je vais chez mon frère faire soirée cinéma horreur. Puisqu'on regardait pour aller voir L'exorciste du Vatican, on attend qu'il sorte depuis je ne sais un quand, sauf qu'il passe qu'à 22h40 au cinéma. Et en France et en Belgique, il passe plus, déjà plus. Donc on n'a pas voulu se taper la Belgique, on a attendu qu'il sorte en France exprès, et il passe qu'à 22h40, donc ça fait beaucoup trop tard, et pour lui et pour moi, et il l'a déjà sur l'IPTV. Donc, dimanche soir, soirée horreur avec mon frère, chez lui, il faut que j'aille acheter des chips. Donc à mon avis, demain, on va se taper le Action. Parce qu'il me faut deux, trois trucs que j'ai pas trouvé aux Action en France. La Fimo, si je la trouve, j'hésite toujours. Parce que j'ai vraiment peur que ça me plaise encore plus que l'argile. Et que du coup, après, ça revient vraiment très, 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 très cher. Donc, je ne sais pas. Si je la trouve, on verra. Mais voilà. Et là, je suis en train d'essayer de négocier avec Chéri pour qu'il me paye mes peintures que j'ai envie d'acheter. Mais là, elles sont 120 balles. C'est des Sudor aussi, mais il y a plus de couleurs. Et c'est des 500 ml. Elles sont 120 balles, il y en a un autre kit à 30 euros que j'aimerais bien et des emporte-pièces lettres. Donc ça fait 170 balles quoi. Donc je suis en pleine négociation avec Chérie. Il faut que je fasse un petit peu ma petite malheureuse après.
Les petits yeux de chapeauté. Et tout ça, tout ça. Ah, mais aïe, je viens de me griffonner. Il a gagné des sous sur son jeu, donc il peut bien me faire un cadeau. Hein. Ouh, je viens de me faire mal le nez. Ah. Voilà, voilà. Demain, ouais, donc lui, il part. Donc moi, je pourrais filmer tranquille en espérant qu'il parte assez tôt. Sinon, je filmerai quand il dort. Hein. Je filmerai quand les versions seront parties, de toute façon. Parce qu'après, je dois attaquer une autre vidéo d'IAU. Oui, je me gratte l'oreille en même temps. Hein. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'oreille qui me gratte à mort en ce moment. Vraiment l'intérieur de l'oreille. Donc là, j'ai fini tous les dragons pour dans 15 jours pour vous. Enfin, en vidéo pour vous. Et là, pour le 26, je vais faire le pot de fleurs pour Marie. Comme ça, je pourrais lui envoyer... en même temps que je pense, parce que mercredi, vous avez... Je vais vous donner le planning, puisque je suis en train de vous dire tout, de toute façon. Donc, lundi, Swatch & Makeup de la palette sirène de Jolie Beauty. Oh, j'ai trop hâte de l'avoir. Mercredi... mardi, live, on commence... On est le lendemain, désolé. Je sais plus ce que je vous disais hier, donc là, il est 7h50. Je vais filmer le Swatch & Makeup de cette palette. Je vous montre, vous l'aurez demain, vous. Voilà. Et c'est pour ce soir, pour moi. Donc il faut que je m'active, surtout qu'il y a des J qui passent tantôt. Voilà, je vais faire ça rapidement. C'est assez, rapide à faire, les swatchs de make-up. Donc voilà, on fera les swatchs ensemble sur mon petit bras vierge. Donc je ne sais plus du tout ce que je vous disais hier quand ça a coupé, mais le facteur est venu. Donc j'avais ça en coussin que j'ai testé. Je vous montrerai après, mais alors il y en avait un autre qui avait un arrondi qui descendait entre les omoplates comme ça. Je ne l'ai pas pris parce que c'était marqué qu'il était parfumé à la lavande. Et je n'aime pas l'odeur de la lavande. Sauf que celui que j'ai acheté, il sent la lavande aussi. Donc j'espère que l'odeur va vite partir. Je pense que je vais essayer de mettre un peu de parfum dessus pour cacher l'odeur de lavande, là, même si c'est fait pour détendre et tout ça, hein, mais voilà, la lavande, c'est vraiment un truc je peux pas, quoi, c'est comme le chou. Et donc aujourd'hui, je reçois ma commande Chine. Alors là, j'ai pas compris, c'est GLS, je crois qu'il est parti d'un entrepôt belge. Bah non, c'était marqué quand même départ de Chine, donc c'est bizarre, c'est hyper hyper rapide, là, j'ai commandé le 6. C'est possible? Non, pas le 6. Je ne sais plus, enfin bref. Ça a été super rapide quand même. Donc je vous montrerai ça, on essayera ensemble le tailleur et le bustier. Et je crois que je n'avais rien d'autre à vous dire là pour l'instant. J'ai fini ma lanterne, donc pareil, elle est en bas, parce que je vais la montrer à DJ, donc j'ai laissé en bas, pour, ça sera pour mettre là, ou là, je ne sais pas. Je vais voir. Et la semaine prochaine, on changera mon fond aussi. J'ai envie de rechanger un peu. Oui, j'aime bien changer mon fond, vous savez. Même si en ce moment, il n'y a plus beaucoup de vidéos dans le bureau. Je suis désolée, mais... Il y a un bus, tracteur, camion qui passe. Je ne sais rien. Camion. Bon, bah moi, je vais vider ma vidéo. Non, je vais filmer ma vidéo. Et je vous reprendrai tout à l'heure. Chérie s'en va après. Donc, je serai toute seule. Oh, ça va me faire du bien, ça, un petit peu. Comme je dois attendre le colis, je ne sais pas du tout à quelle heure il va venir. Donc je ne sais pas si je pourrais faire une sieste. J'ai des bricolages à commencer pour les vidéos aussi. Et voilà. Donc j'ai de quoi faire. Ouais. Bon, allez, sur ce, je vais filmer ma vidéo et je vous reprends tout à l'heure. Alors, il est... Il faut que je range la cage des chichous. Il est... Attendez, parce que ça focus sur la cage des chichous. Il est 11h44, DJ vient de partir. Vous avez le spoil du make-up, mais qui n'est pas un spoil vu que vous l'avez déjà eu, puisque je viens de la finir de la uploader pour ce soir. Donc je vais partager l'info sur Insta. Et la chérie a été aux actions près de chez ses parents et il m'a trouvé la fimo. Enfin, elle n'a pas de polymère. Donc il m'a dit je te prends deux paquets de chèques. On va pouvoir tester ça. Donc je pense que cet après-midi, c'est ce que je vais faire. Il y a un truc que je voulais faire en argile, mais du coup, je pense que je vais tenter en fimo. Qu'est-ce que ça fait? Mais j'ai quand même vous montrer mon petit DIY que j'ai fait, que j'ai terminé pour moi hier. Hein? Tintin, tintin, tintin.
Donc j'attends toujours mon colis à Chine aussi, hein, il n'est toujours pas arrivé. Voilà ce que j'ai fait pour moi, alors je vais l'allumer. J'ai laissé la truc dehors pour pas devoir la dévisser à chaque fois parce que c'est hyper fragile la fleur que j'ai fait au-dessus là. C'est vraiment hyper fragile, j'en ai cassé une, j'ai dû la recoller. Mais voilà ce que ça donne. Je trouve ça très 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 joli et je pense que dans le fond ça fera très 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 joli. Et le fait que j'ai fait avec la tapisserie comme ça donne un style aussi, j'aime bien. Donc voilà. Je suis bien contente du résultat. Par contre, c'est hyper lourd, surtout que j'ai fait le socle en plâtre aussi. Et toute l'argile au-dessus là, ben, c'est lourd. Mais j'aime trop. Voilà, je suis encore une fois très fière de moi. Ouais, je vais la ranger. Donc je vais pouvoir aller la mettre en haut et la semaine prochaine on changera mon fond ensemble. Voilà, là il faut que je fasse la miniature. D'ailleurs je peux importer ma miniature sur mon téléphone, à ma photo pour faire la miniature plutôt. Donc, il faut que j'active les Bluetooth. Oui je bug. Cherchez pas, je bug en ce moment. Je suis bugué. Je sais pas pourquoi. Donc là, je vais attendre que Chéri rentre et puis je mangerai quand il sera rentré parce que sinon je vais être fatiguée et je ne saurais pas l'attendre. Donc je vais l'attendre avant de manger. Et puis comme ça, quand je me réveille de ma sieste, je peux attaquer la Fimo. J'ai trop hâte de tester. Et je vous montrerai demain ce qu'il m'a ramené. Parce que je lui ai dit qu'il regarde aussi pour une gourde. J'ai besoin d'une gourde pour samedi prochain à aller à Bettembourg pour me faire du café froid. Voilà, écoutez, je verrai bien ce qu'il a ramené, s'il y a de quoi vous faire un haul, s'il y a des trucs intéressants ou s'il a juste pris de quoi se satisfaire lui-même. On verra bien. Écoutez, ouais, du coup, j'ai pas reçu encore ma commande Shein, donc je ne sais pas du tout à quelle heure elle va arriver, donc on fera ça demain. Ouais, il est marqué en cours de livraison, mais il donne pas d'heure de livraison, donc on fera tout ça demain. Donc comme ça, demain, je vous montre ce qu'il a acheté chez Action qui peut être intéressant. Et il fallait juste des charnières en fait, hein, donc voilà. Et je vous montrerai aussi mon Chine avant de clôturer le vlog. Je vous ai déjà donné le planning de toute façon. Hein, ouais, je vous ai déjà donné, donc je vais pas me répéter. Et voilà. Donc pensez juste que mardi à 20h, il y a le premier live pour le DIY de Sirène. Le tirelire. Et voilà. La semaine d'après, il faut que je monte le dragon d'air. De l'air, comme ça, j'ai fini toute la semaine prochaine, à part l'alphabet challenge. Mais là, demain, je vais tourner un réel. Ah oui, du coup, comme vous avez eu le swatch et make-up de la palette... Jeudi pour vous, demain vous aurez les 6 mois de make-up terminé. Donc demain je vais tourner ça, je vais faire un réel avec la palette, comme ça j'utilise au moins une deuxième fois, hein, pas qu'à faire. Et je tournerai les 6 mois de make-up terminé pour lundi, pour vous. Donc du coup ça a changé par rapport à ce que je vous ai dit hier. Peut-être bien monsieur, peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, écoutez, ouais, j'ai rien de spécial à vous dire. Donc moi je vous reprends demain pour finir ce vlog avec le haut Shein et voir s'il y a des trucs de nouveau chez Action. Qu'il m'a ramené de chez Action. Voilà. Ouais. Allez, on switch. Alors, je suis pas à poil, je suis au brassier. Hein, voilà. Il est 16h. Oui, c'est à cette heure-ci que je vous prends. Ce matin, on a été. Bah, j'ai filmé. Ce matin. Là, moi, je me suis réveillée d'assiette, c'est 1h. Bon, presque 2h, même. Ce matin, on a été faire 2-3 courses. Attendez, j'ai un goût d'ananas coincé dans la dent. Irrésistant. Ce matin, on a été faire 2-3 courses avec Chérie. C'était la foire à 1€ chez Cora. Voilà, on a été faire un petit tour. J'ai acheté 2-3 trucs. Ah, j'ai oublié d'amener la colle. On a été chez Action aussi parce qu'il fallait de l'huile de saumon pour le chien de mon frère. Donc, comme ça, je lui ai pris en même temps. Mes chéris avaient été chez Action jeudi. Bah, donc, hier. À Virton, près de chez ses parents. Et il m'a trouvé.
la pâte polymère de chez Action. Donc il m'a pris deux de chaque. Hein. Ça, c'est des actions pour entamer parce que j'ai déjà commencé. Alors c'est une vidéo, donc je vous spoil juste un tout petit peu, mais pas tout. Voilà, là je dois terminer mon petit bébé dragon rose. Donc je vous le montre pas très 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 bien pour pas que, vous voyez très 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 bien. Et il m'a pris aussi une gourde, comme ça, enfin une bouteille en plastique. Voilà, parce que maintenant je recommence à boire beaucoup de café froid puisqu'il fait chaud, d'où le fait que je sois en brassière. Et pour quand je dois partir, par exemple là, le 17, donc samedi prochain, on va à Bettembourg. Donc je me ferai du café froid là-dedans. Et dimanche, je vais aller chez mon frère. Donc bah, je pense que je prendrai plutôt ça parce que je boirai du café chaud quand il voudra bien faire pause sur le film pour regarder. Mais voilà, comme ça j'ai une bouteille comme ça. J'ai repris un truc de collant là, vous savez, pour recouvrir normalement les cahiers. Je m'en sers bah, pour mon fond DIY là. J'ai collé dessus pour le nettoyer plus facilement. Et comme ça je vais pouvoir coller sur celui de, que j'ai ici sur le bureau, là quand je travaille sur le bureau pour faire des petits réels rapides, que je filme pas tout processus, ou que c'est des toutes petites pièces et que j'arrive à cadrer. Et je me suis pris un Big Gougou. Oh, il est trop beau. Voilà, il était à 1,29€ le Big. Et je les aime bien, ils écrivent bien, c'est des Angèles. Bon, après, ils ne tiennent pas très longtemps. Mais il n'en restait plus qu'un de bébé Gougou. Donc, je l'ai pris. Il y a Géry qui rentre en chantant. Oui. Tu dois passer ou... Tu voulais me dire quelque chose? Oh. Tu reviens juste chanter. Voilà. Il est très 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 joli. Donc du coup la Fimo, je vous spoil déjà, mais j'adore. Voilà. Et du coup, chérie m'a offert une boîte bah, dans le même style, les pains dans le même style comme ça. J'ai trouvé ça sur Amazon. Donc c'est le même format, bon c'est des petits formats, hein, voilà, j'en ai utilisé 2,5 pour faire un dragon. Et ils sont pas très gros. Hein, et du coup ils m'ont offert un kit avec 82 couleurs. Voilà. Alors c'est certainement pas la même qualité que les Fimo de la marque Fimo. Mais écoutez, hein, pour l'instant c'est très bien. En plus. Il y a 82 couleurs et 19 outils avec, et il y a de quoi faire des bijoux, donc je peux demander de plus. Même si je vais racheter le kit complet quand j'en ai moins, à ce prix-là, 46, combien je vous ai dit, 46,20€. Et j'ai donc reçu ma commande Chine hier, que je ne vous ai pas montré puisque je l'ai reçue plus tard. Donc j'ai fait une commande juste pour un top hein, de base, mais j'ai quand même commandé un autre truc en même temps. Et je me suis repris des stylos. Voilà, j'adore les prendre sur Chine parce qu'ils sont toujours jolis et ils sont bien. En plus, il y a toujours une protection, je ne sais pas si vous allez bien voir, une protection en cire sur la mine, donc ça évite que l'encre coule pendant le stockage et tout ça. Après, il faut gratter, c'est un peu chiant. Mais ça me fait un stock de bits, hein, il y en a 6 par truc, plus le bébé Gougou. Et c'est ça que je voulais de chez Romy. Ah. Je l'ai vu sur une pub Insta et du coup j'ai dit oh là là, allez hop, je me le commande. Donc il y a un zip derrière, il s'ouvre avec un zip. Il s'ouvre pas jusqu'en haut, mais je pense que je n'ai même pas besoin de l'ouvrir. Quoique c'est quand même un peu. Ça va être chiant fermé par contre. Ouais, il s'ouvre pas jusqu'en haut, c'est vraiment juste pour l'enfiler. J'ai pris en taille. M, je crois, pour que mes lolos passent. Voilà, je vous montre avec la brassière. Hein. Oh, c'est trop beau. Alors, attendez, je vais essayer de le fermer. Parce que je n'ai pas là pour me le fermer. Donc, c'est un bustier, hein, tout simplement. Attendez, je trouve pas la zipette. Fermé derrière, j'arrive pas à choper la zipette et tenir en même temps au dessus. Et j'ai mis des coudes. Ouais. Oh.
va le mettre un petit peu sur le côté, ça sera plus simple. Ah, je n'y arrive pas, je suis coincée. Attendez, je vais devant le miroir pour le mettre correctement parce que là. Donc vous voyez ce que c'est. Alors oui, sur mon legging, ça fait super joli. J'aime bien. C'est beau, hein. Ça fait très classe, ça, avec un jeans. Ça fait tout de suite super habillé. Il est un peu large ici. En même temps, j'ai pas de nichon. Mais j'aime bien. Il y a une bande antidérapante ici. Donc à mon avis, il doit bien tenir même sur la brassière. J'adore. Ah, j'ai eu mon bout d'ananas qui a été coincé dans ma main. Et du coup, je me suis commandé un tailleur veste jupe. Enfin, mini jupe. Alors, c'est clairement, c'est du tweed, hein, donc c'est clairement pas de saison. C'est plus pour l'automne-hiver. Mais il était du coup en promo, puisque vu qu'il est plus de saison. Donc voilà la jupette. C'est très joli. Et voilà la veste que je pensais un peu plus courte. Donc, j'enfile ça et je vous montre. Alors, j'adore, ça fait hyper classe. On est vraiment sur de la mini-jupe. Alors, elle est... non, fille, tu vas m'accrocher. Elle est, vous voyez, en battant comme ça. Par contre, la veste, ouais, je l'aurais bien vu un peu plus courte quand même. Vous voyez ? Je trouve que cette hauteur-là, ça aurait été suffisant, mais bon, voilà, c'est quand même très classe. Bon, le bouton perlé fait un peu bobonne, mais avec un bout top, soit court, soit en dentelle en dessous, ça peut faire très classe. Donc, j'aime beaucoup. Voilà, eh ben écoutez, c'est ce qui conclut ce vlog de cette semaine. J'avais rien d'autre à vous dire, hein. Non, je vous ai déjà donné le planning, donc il ne reste plus qu'à clôturer. Et voilà, donc moi je vous souhaite une très 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 bonne semaine. N'oubliez pas le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine avec le planning que je vous ai donné hier ou avant-hier. Et j'ai plus qu'à vous dire, bisous bisous.